Comment on opère le ptérygion? Le ptérygion est cette excroissance de la conjonctive qui se développe sur la cornée. Il est causé généralement par l'irritation due à une exposition excessive au vent, à la poussière et aux rayons ultraviolets du soleil. À un stade précoce, il peut ne pas être particulièrement gênant. À un stade avancé, il peut compromettre la vision et nécessite une chirurgie. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Sabed, je suis ophtalmologiste. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et si tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Cette chirurgie consiste à retirer délicatement cette excroissance et à effectuer une autogreffe de conjonctive. Elle est réalisée sous anesthésie locale par une injection sous la conjonctive. Ensuite, le ptérygion est proprement excisé. Selon la situation, une substance peut être appliquée pour réduire le risque de récidive du ptérygion. Ensuite, un morceau de tissu conjonctival est prélevé à la partie supérieure de l'œil et est soigneusement fixé par des sutures à l'endroit où le ptérygion a été retiré. On instaure ensuite un traitement post-opératoire et il est recommandé d'éviter une exposition au vent, au soleil et à la poussière. Les sutures seront retirées dans un délai maximum d'1 mois et l'œil retrouve son apparence normale.